donner de ban, etc. Donc on peut. Non, non, on peut encore attendre un peu. Voilà, autant carrément aller vers les joueurs. Et les bannes. Oula. Avec le petit smiley, on ne sait jamais. Alors là, tu es en train de faire chier tout le monde au niveau de la vision avec la souris. Merci, Cambi. Elle était en train de me grailler tous mes bols de Chocapic. D'accord. Alors ça y est, donc ça commence du côté de... Alors, désolé pour cette game hein, qui paraît quand même... Alors, Vasectomy a ban Paladin, comme on peut le voir, il nous le dit. Et lui a ban son voleur, donc le voleur de Vasectomy en oil qui avait très... Enfin, qui avait vraiment roulé sur le pack Endlock de Napolitain, qui est donc sorti du tournoi. Vasectomy est contre... Vasectomy est contre donc Axel, donc qui est Axel, je ne sais pas. Donc ça doit être, c'est forcément Khalifa, je suppose. Khalifa, hashtag 2391. C'est ça, tout à fait, Khalifa. Et ça y est, ils sont en game. Donc désolé hein, de vous couper, mais bon, je pense qu'une demi-finale prime sur l'un des deux autres quarts de finale qu'on n'avait pas encore. Et je pense que nous sommes amis à partir de maintenant avec notre copain Khalifa, si tu veux bien aller voir sa main. Khalifa n'a pas accepté encore notre demande. Quel dommage! Est-ce que tu peux aller le voir rapidement? Je peux demander à Khalifa de nous accepter. Il y a Khalifa. Ouais. Il est juste là à droite. Juste là, tu lui demandes de m'accepter, ouais. On voit ses cartes. Alors, c'est donc la demi-finale ici au Hearthstone Café. Et ça y est, nous avons Khalifa dans notre liste d'amis. Merci bien. Super, merci Napolitain. Et juste Napo, pour te prévenir, il n'y a pas de loser bracket. Oh. Donc du coup, voilà, on fera du free play, un peu de troll, de l'arène, donc vous serez le bienvenu avec nous-mêmes à la limite sur le stream à discuter, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Donc voilà. Ouais, bah carrément avec plaisir. Oula, alors on a une méchante 4-1 qui va lui permettre de piocher. Il y a eu un pack qui rate une fois. C'est un mirror de druide. C'est oui. Alors mirror de druide pour l'instant. Je pense qu'il y en a un qui joue la combo et l'autre qui joue des. C'est ça. Alors Khalifa va plutôt jouer mon genre de pack. C'est-à-dire que moi je suis très je suis quasiment uniquement rentre. Token Tuzad, tout ça. Voilà, exactement. Alors que Vasectomy, bon on l'a déjà vu tout à l'heure, joue la combo. Je sais pas combien. Napolitain a perdu contre ce pack druide avec son bloc, il était là avec nous. Dommage hein, on aurait un micro un petit peu plus puissant, on lui demanderait peut-être ce qu'il a ressenti en se faisant un petit peu sniper par cela, mais bon. Sachant que dans l'autre demi-finale Fëanor, c'est pas la demi-finale, c'est la ronde d'avant. L'autre quart de finale, pardon, Fëanor vraiment va se qualifier en demi, comme on a pu le voir. Il met à mal total Shepan, donc je pense que vous n'avez pas raté grand chose de ce point de vue là. Bonne sortie de match mecha contre un gars. Voilà, exactement, tout simplement. Alors, ça joue la combo chez Khalifa également, donc on a vraiment un miroir. On est en miroir pur et dur. Alors l'avantage, c'est qu'en face, il y a Torisan. Et ça va, le silence, les amigos. Le trade. Alors c'est intéressant, ce choix du trade. C'est tout de même relativement spécial, je trouve. Après, c'est pas si mal. Oui, ça enlève une 5-5 du bord. Ça enlève une 5-5 du bord. D'accord, vraiment je l'accorde à ce niveau-là. Y a pas de souci.
Donc là, on voit, ça commence à se remplir. La fin du carnaval se faire sentir également, notamment par les cris, le bois que vous allez avoir derrière et que vous pouvez même. Les confettis. Non. Alors ça, si on pouvait éviter, par contre. C'est un mec qui passe la fête, vous jette des confettis, mais c'est la fin du monde. Ah, c'est en espérant que ça ne n'aille pas un petit peu n'importe où dans les PC. Alors, on a pioché le scénario du côté de Khalifa. On a quand même beaucoup plus de cartes en main. Même si en termes de CA, je pense que c'est relativement pareil parce qu'on a tout l'énerveille qui nous sert à rien. La valeur des cartes, c'est ça. Pour l'instant, on n'est pas très très bien quand même du côté de Khalifa. Pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Est-ce que on fait pièce scénarius? J'en doute. Honnêtement, j'en doute. Ah si. Non, Innervate scénarius. Ok. Ça peut nous permettre de tenir un tour. On a un balayage. On a une partie de la combo. Bon. Ouais. On n'est pas encore très très bien. On temporise. Et Scénarius reste vivant sur ce tour-là, théoriquement. Ouais. Donc, il est quand même pas très frais, quoi. Il est pas très frais, parce que nous, on voit sa main. Maintenant, de la part de Vasectomy, on peut... Mais on peut également voir 5 cartes, une possibilité très forte aussi de combo total derrière. Je pense que les deux psychotes sur la main de l'autre, alors qu'en fait. Voilà, alors que dans les deux, on a absolument rien. Et Fëanor vient de gagner. Et Fëanor vient de remporter donc 2-0 son BO et de manière plutôt brillante, hein, avec un match mecha, donc c'est très très intéressant. Alors du coup, on va trade de manière globale sur Scénarius et ses amigos. Ces deux petits triangles 2-2 qui ont la protection. Et là, c'est le drame. Alors comment est-ce que tu jouerais campé à la place de Khalifa pour le coup? Échappe, on cède. Ouais, alors là je pense qu'on est obligé de manger ça. Swipe ici et on va sur la 1-1 derrière en proto. Assez classique. On garde la croissance pour pouvoir piocher dans deux tours. Bah, ça c'est normal. Voilà. Ça c'est tout à fait normal. Alors après avec Chris Innervate, il peut s'amuser à faire ses triangles et mettre deux fois le combo. Donc ça peut être sympa aussi. Ça peut être un kill, donc pourquoi pas. Maintenant il faudrait au moins qu'on en pioche une. Qu'on puisse faire quelque chose, puisque là il a main vide, il a rien, il est au point mort, ouais. Il a rien, il a absolument rien. De son côté pareil, il a pas grand chose à faire, il a rien. Il hésite après le scénario, je pense que c'est une bonne. Ça reste une meilleure idée, peut-être, que de perdre son Drake Azure de manière gratuite. Là, en fait, il a essayé de jouer, c'est qu'il prépare la pro. Là, s'il top la combo. Ah, s'il top la combo, il a gagné. Il utilise son board. Si Vasectomy pioche la combo, il le met à 1. S'il le met à 1, il a gagné. Ouais, clairement. Maintenant, voilà. Ça gagne ici, ça gagne un petit peu là. Et au final, on reprend pas mal de contrôle de la part de Khalifa aussi. Et c'est fini. Et c'est simplement fini. Là, il n'attend que ça, Vasectomy. Ça fait bizarre à chaque fois de dire ça, Vasectomy, mais je trouve ça plutôt drôle. Alors là, je pense qu'il swipe. Là, il va clean. Mais ouais, il swipe et derrière, il va manger avec le pouvoir du héros. Clairement. Bah non, il ne vend pas. Voilà, hein, il n'y a pas. Oh là là. Alors là, mais c'est. Bonjour à vous. Oui, hein, toujours. Eh, hop. Ce sont mes chocapics. Ce sont mes chocapics. Tu les proposes pas à n'importe quel mendiant qui passe à côté de la fenêtre là, hein. Eh, souriez, vous passez à la télé. Non, je décale. Donc, alors ça y est. Alors, voilà. On en parlait, il a pioché le combo.
Ah, il pense déjà qu'il a perdu. Alors pourquoi? Il a pas perdu. Si, il a perdu. Il a perdu. Mais alors pourquoi est-ce qu'il a pas... C'est étonnant. Il a préféré faire BGH plutôt que Force de la Nature. En fait, de toute façon, c'est sa seule source de dommage. À part faire le baroud d'honneur, manger ça, mettre des points. Il avait pas trop d'avenir, quoi. Et 1-0 pour Vasectomy. Alors, il y a El Tacos qui nous demande si on est gay. Alors, on est plutôt joyeux. Et on s'aime beaucoup. Voilà. Bonsoir à toi. On a qu'un micro. Ouais, il le voit tout de même qu'on a qu'un seul micro. C'est la personne là. Voilà, n'a que l'image et pas le son. Vaut mieux préciser, tu vois. Ah, en effet. En effet. Donc déjà, El Tacos, bonjour à toi. Alors, on a quelqu'un qui nous demande alors le stream. Bah, et qui vient voir directement. Qui est-ce qui nous cause? Un chauve. Spigus, le chauve. C'est en live en ce moment même. Viens nous voir, please. Donc n'oubliez pas, vous allez avoir tous les replays sur notre chaîne YouTube. Campier et ses filles, c'est très facile, hein. Vous tapez Campier et ses filles, vous tombez directement dessus, il n'y a aucun problème. On a déjà les deux premières ailes du Mont Roche Noir, et là vous allez, en héroïque bien entendu, vous allez pouvoir revoir justement toutes les games de ce soir. On sait que les joueurs vont aller retourner les analyser, donc ça peut être aussi intéressant pour vous d'avoir ces points de vue là. On vient de revoir notre partie en connaissant ce que l'autre en a. Par exemple. Alors nous on pourra pas malheureusement. Ouais. Mais ouais c'est vraiment quelque chose qui est à faire. Donc là, deuxième game, on a un match tempo contre Shaman classique. Je sais pas si c'est si classique que ça. Oh. Je pense qu'il joue la nouvelle carte de. Exactement, de Shaman, donc qui pour deux mana, je mets deux et je le déloque tout mes surcharges. C'est ça, c'est plutôt solide. Il va pinguer, hein. Sur une étoile ou sur un oreiller. Exactement. Ça ping. Totem vague de mana, on est déçu. C'est très très bien joué de la part de Khalifa. Excellemment bien joué. Parce qu'on sait que il y a de fortes chances que ça soit une entité miroir à ce moment-là de la partie. Et donc vraiment, excellent choix. Alors, est-ce qu'on ping ou est-ce qu'on place un golem piloté? Yes. Alors je pense... Oh non, c'est greedy. Alors, moi si j'avais boule de feu, c'est pas celui-là que j'aurais boule de feu déjà. Si je boule de feu, c'est le totem. C'est le totem. C'est le totem, c'est la 2-3. Il y a écrit piocher dessus, c'est forcément plus fort. Voilà, donc, ça finit par être son choix. D'accord, comme dirait Elvin Delia. C'est mon choix. C'est pas Evelyn Delia, c'est Evelyn Thomas. Evelyn Thomas, merde, Evelyn Delia, c'est celle qui faisait la météo. Bon, j'étais pas loin. Ouais, d'accord, vous pouvez me troller sur l'IRC, mais j'étais pas loin. Alors, on a une grosse 9-8 taunt. Merci, GG, au revoir. Pourquoi pas, au revoir. Alors là, c'est une bonne pioche. Voilà. On a l'impression de jouer au jeu des 7 familles. Alors est-ce qu'on pièce ping? Ça a l'air pas trop mal pour éviter de perdre trop de... Après, en gardant la pièce, il peut faire Dr. Boom au prochain tour. Ouais, mais Dr. Boom, ça fait mal aussi, hein. Il a choisi de garder la pièce. En effet. Alors moi, j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais mis j'aurais d'abord attaqué avec mon mouton. Et ensuite, j'aurais placé mon araignée à côté du totem. Personnellement. Je sais pas, parce qu'en fait, le mouton, pour l'instant, il va pas trop se faire piquer, je pense.
Alors, et du coup, fait, ça permet de faire. Ça permet que tout le monde tape les 3 points. Et derrière, on a une araignée qui tape à 3 aussi. Ouais, mais il s'attendait vraiment pas. Oh, il a top deck le BGH. Il a top deck le BGH. C'est le mirror de top deck. Alors là, c'est. Ouais. Alors là, Khalifa. Khalifa prend une sérieuse option sur la win. Khalifa s'envole. J'ai pas la référence. Il me semble que Khalifa Airways. C'est un sponsor. Khalifa Airways. Airways. Oui, Airways. C'est un sponsor de l'OM à une époque. Alors, quel est le play pour vasectomie pour s'en sortir? D'accord. Voilà, moi non plus, hein, je ne l'avais pas, le Khalifa Airways. En effet. Alors. Ah mais voilà, ils sont obligés, excusez-le. Alors. Justifié toujours. Alors je pense qu'on a le létal. On a peut-être le létal côté Khalifa. On a peut-être le létal. Alors si on va avec le B. Ah non, on a pas du tout le létal. Je raconte n'importe quoi. Alors. Nous avons un petit logo Khalifa Airways. Voilà, exactement. Le Khalifa Airways qui nous suit un peu partout. Ici c'est encore mieux puisque c'est pour Khalifa. Voilà. Alors, vous me pardonnerez mais je ne mettrai pas de photo de vasectomie. Voilà, bah heureusement. C'est un. Le cœur y est mais non. Ah bon, le cœur y est, moi je garderai pas mon cœur, je crois. Ah, il est bien accroché aussi, c'est ça. voilà. Non mais l'histoire, voilà. Un napolitain, on aurait pu mettre un napolitain pour parce qu'on a un napolitain hein, qui est juste à côté de nous, vous le voyez pas à la caméra. Après quand ah, moi je suis assis. Le voilà, ah. Il vous fait coucou. Salut. Il est avec nous et également il regarde un petit peu les games. Eh oui, j'ai des références et voilà. Ah ouais, bah, c'est ça. Tu m'as rapporté le plus de points quand j'ai passé un concours avant d'échouer l'oral. Alors, à l'oral, c'est bizarre, tu te débrouilles bien pour toi. Non, ouais. C'était alors ça y est, on a le létal, hein, je tiens à le dire, donc Khalifa Airways qui s'envole vers la victoire et vers le 1 partout, donc première défaite dans n'importe lequel des BO de manière globale pour Vasectomy. Pour Vasek, on va avoir un diminutif. Hein. Je crois que déjà que le mot vasectomie, j'avais dû le dire qu'une dizaine de fois dans toute ma vie. Mais alors là, pour ce soir, je crois que c'est bon, je l'ai. Voilà. Et non, Skellig, nous ne voulons pas de photos. tu m'en montreras en privé parce que je sais que t'en meurs d'envie. Mais pas sur le stream. D'accord, aucun problème. Je te promets, je mettrai ça. On postera une photo peut-être sur notre Facebook. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre Facebook pour avoir toutes les infos, mais surtout sur notre chaîne YouTube. Je pense que c'est encore le plus intéressant pour vous, ouais. Puisque vous pouvez aller voir tous les replays quand vous n'êtes pas avec nous, parce qu'on stream voilà. Pas forcément tout le temps à des horaires sur lesquels vous pouvez être disponible. C'est ça. Si vous avez des problèmes avec la vidéo, que ça lag, etc. Ça sera pas le cas sur la chaîne YouTube. Absolument pas. Vu qu'en général, on a une bonne qualité. Voilà. On a une très très bonne qualité. La connexion qu'on a ici est top. S'il y a un lag, a priori, ça vient de chez vous. Désolé. Voilà. C'est votre faute. Changer de PC. Les PC en bois, c'est has-been. Y a pas de problème. Alors. C'est la fibre. Voilà. Bon, on a fini de faire notre promo, tout ça. Ça reviendra. Vous inquiétez pas. Sûrement un petit peu avant la finale. On repasse sur la game. Donc c'est intéressant. Khalifa a repris son druide combo, il a pensé que c'était peut-être intelligent de le ressortir, pas dans un mirror. Et c'était quoi c'était... Yeah. Oui, c'est 1-1. Et je pense que, avec quoi Vasectomy vient de perdre déjà Non, il a gagné druide contre druide, mais derrière il a gagné avec... Là, voilà, il y avait Shaman d'un côté. Shaman en face pour Khalifa. Contre. C'est pas contre. Contre mage. Oui, bah. C'est pareil, druide mage. Et je pense que Khalifa a très très bien joué dans l'idée, dans le sens où il a pensé qu'il allait pas reprendre son mage.
Parce que tu sais, quand tu viens de perdre, là d'un coup, bah, t'as pas envie de reprendre match. Et le contre-sort, tout ça, c'est pas ouf dans le match-up pour Druid Combo. Donc très intelligent, il est revenu sur Druid Combo en pensant que Vasectomy allait changer de pack, ce qui s'est fait. Et donc vraiment, enfin, je pense qu'il y a vraiment là-dessus une réflexion qui a été faite autour de ça. En même temps, pour revenir avec un pack sur lequel on est plus à l'aise. Et donc on a Team Fëanor en parallèle. La demi-finale Team contre Fëanor en parallèle, on l'a en grand écran. Donc vous inquiétez pas, il y a toujours 0-0. Je pense qu'à la fin de cette game-là, on pourra aller voir la fin de ce BO3 et vous offrir un BO5 de folie entre le vainqueur de Khalifa contre Vasectomy et le vainqueur de Team contre Fëanor. Donc là, on suivra vraiment de bout en bout et peut-être même avoir certaines réactions de la part de nos humbles consorts. On va pouvoir enlever probablement ce Khalifa. Voilà. Malgré tout, ça nous libère un petit peu de place. Merci, Cambi. Et revenons du coup vraiment à la game, d'accord, dans laquelle le chaman de Vasectomy a vraiment repris le contrôle et c'est vraiment très intéressant. Alors, et clairement devant, maintenant, il va être obligé d'utiliser une croc-croc, je pense, pour aller clean à 4-6. Ah, moi, des traits comme ça, j'en fais tous les jours. Ah ouais, oui, bien sûr. Bien entendu. Et c'est d'ailleurs très bien joué, il a clean du bon côté, etc. Alors, dans un sens, Khalifa, qu'est-ce qu'il peut faire là? Il va swipe. Il va swipe et venir peut-être avec le pouvoir du héros chercher le... Non, d'accord, il préfère poser un peu de board. Pourquoi pas, il préfère poser un petit peu de board, reprendre le contrôle. Pour bientôt, il y a Dr. Boom qui arrive. Il y a Dr. Boom. Maintenant, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en face, il y a BGH. Il y a BGH en face. Ouais. C'est dommage. Pour lui. Alors, le moi, but. J'adore Totem. Ouais, non, c'est pas bien Totem. Alors, Totem, là, tout de suite, je pense pas que ça soit utile, sachant que tu fais quoi après? Je sais pas, tu pioches. C'est pas mal de piocher. Non, oui, mais piocher, il va venir se faire manger de manière rapide. J'ai monté un pack Shaman OTK. Wonder Skill, et du coup, pioche à mort et pose son totem avec. Alors, il va lui mettre 3 directement dans la gueule. Et on a la combo en main. Donc, à partir de là, déjà, c'est intéressant. Bon, il est encore à 28. Hein. Voilà, mais... du coup, c'est pour ça que oui. Dr. Boom. Il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Bon, là, c'est clairement BGH. C'est clairement la 6-5 qui va chercher la 2-4. Et derrière, on totem. Et je pense qu'on est pas mal. Alors, il hésite. Alors, pourquoi est-ce qu'il hésite? Ah, est-ce qu'on ferait pas totem? Oh non. D'accord, pour éviter que le... Oh, c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. Moi, j'aurais fait... Voilà, en fait, j'aurais d'abord fait totem en premier lieu pour essayer... Oh, bah, la chance. Oh. Voilà. Ah bah oui. Bah, tout à fait. Là c'est la chance. J'aurais d'abord, en fait, fait le totem pour savoir si je faisais le crépissement sur la 2-4 ou pas, ou si je la tentais. Et bon, bah, du coup, hein, il a fallu un petit peu de chagat. Il l'a eu. Et il l'a eu très bien pour lui. Du coup, et ancien du savoir. Alors, pas sûr. Voilà, on va d'abord aller craquer notre petite bombe pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est intelligent maintenant. Ancien du savoir pour aller piocher deux, puisqu'on est quand même pas inquiété de quelque manière que ce soit. Donc, oh là 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 là. Alors là, on a une main en or pour Khalifa. Vraiment une main en or. On va poser Boom et on va aller trade la 6-4 sur sa 5-5. Et même pas. Alors là, est-ce que c'est pas l'erreur? Est-ce qu'il n'y a pas le létal? Non, 14, ça fait 21. Ça fait 21, c'est dit. Ce qui est déjà... Ouais, mais pas assez. Ce qui est pas assez. Ce qui est déjà pas assez. Voilà.
le BGH qui vient se ressentir ici aussi. Et là, alors maintenant qu'il a la... Voilà. Ah oui, complètement, à partir de ce moment-là, lui, il est bien encore dans sa game. Alors là, on est pas mal. Là, au final, on est peut-être pas si mal de la part de Vasectomy. On a quand même une pioche plutôt correcte, dans le sens où on peut faire Azure Drake. On peut faire Azure Drake et crépitement sur le Crash Vas pour être sûr d'aller le tuer. Ah. Moi, je pense que je partirais plus sur un truc du genre... ça mange ça... je pose un arbuche qui permet à une bombe de manger un jeton. Et ton crépitement, tu fais quand? Est-ce que tu tentes le crépitement sur une 5? Est-ce que t'es pas ballsy? Est-ce que tu les portes pas jusqu'au bout et tu tentes ça? Moi, je pense que je le tente. Je le tente, t'sais, en mode rien à foutre. Allez, va gagner ta vie. Et la vie est gagnée. Oh non! Alors, ça, c'est dommage. Ah. C'est mérité. En fait, c'est mérité. Et je pense qu'il aurait dû avoir plus pour. Ah ouais, complètement. Et du coup, il gardait une de ses bombes et il tuait le BGH en prime. C'est vraiment dommage. Oh non. Mais non. Oh là 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 là. Quelle erreur. Ah, d'accord. Tu viens là. Mais t'as pas eu le temps. Et voilà. Et c'est bien fait pour ta gueule. C'était une erreur, hein. Alors Fëanor a gagné sa partie. Fëanor a gagné sa partie. Et est passé Sim. Niveau 50 avec son démoniste. Voilà, donc bravo, bravo à lui. Il a gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné? Les flammes infernales, je crois, en doré. Intéressant. Alors, on va aller piocher de la part de Khalifa. Donc misplay, hein, quand même, je pense, de la part de Vasectomy. Il a dit en plus qu'il regarderait après les games, donc aussi pour savoir quoi faire. Donc voilà. Pour nous dire pourquoi il a. Peut-être. On demandera au pire qui vient de commenter sur notre Facebook, on mettra un lien et on lui ouvrira largement de quoi venir commenter tout ça. Et oui. Et là du coup, on s'expose tellement à tout en fait. Hein. On est vraiment vraiment pas bien. Oh. Alors. Va falloir. Alors. Le Horeb est intéressant ici. Seulement, l'empereur Torisan va commencer à vraiment nous pomper l'air, hein, c'est le cas de le dire. Je pense que. Ça, voilà. Un coup d'Alakir dans la tête. Et un coup de. D'Alakir dans la tête. Coup, bah, de toute façon, il reste. Voilà. Et ça 0-3. Et ça 0-3 qui va permettre de piocher. On n'est pas encore mort, hein. On va prendre 14 et 4, 18. Donc on est encore à 2. On est encore à 2. Alors Azure Drake et on. Ah, il peut faire Lightning Storm. Non, mais non. Il peut Lightning Storm. Ah oui, il peut Lightning Storm. Mais on a pioché. Ouais, mais la grenouille, je pense qu'on l'a gardée sur. Pour un scénariste, une grosse stone. Donc ça n'est pas assez chiant. On peut pas métamorphose. Ah, alors et, là. Et il a la combo. Je transforme ta créature en toad, c'est chouette. Alors, est-ce qu'on n'a pas... Non, non plus. Non, on a pas grand-chose. Donc il faut... Voilà, il fallait qu'il wild growth là-dessus. Il fallait qu'il aille growth. Et pendant ce temps-là, Fëanor martyrise Team. Hein. Vraiment. Alors, Fëanor, vraiment, c'est un joueur que je découvre et il est vraiment excellent. Soit il va jouer en charge pour avancer... Alors, s'il joue en charge, il est déçu. Ah non, s'il joue en charge, c'est une bonne idée. En fait, il y a deux possibilités. Il a pas le choix. Joue en... ouais. Là. Et après, bah, il se fait manger derrière. Soit il le joue en taunt en se disant, bah tiens, ça va le manger là. Exactement. Et là, c'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il pense. Là, du coup, le plays. Alors là, il met 15. Globalement,
On va dire qu'il met 15. Ah, alors ça c'est très fort dans le match-up. C'est fort dans le match-up seulement. On n'a pas envie de le jouer maintenant. Le drive est rouvert. Le drive est rouvert. Ah, mais nous on approche juste à côté. Il faut leur une petite couette. C'est ça. Alors, Schleck. Alors là, on a envie du taunt. Et non, c'est la déception. Parce que si ça pioche sa deuxième croissance sauvage, c'est fini. Oh, un golem céleste piloté. Un golem céleste piloté. C'est normalement Vasectomie qui devrait remporter le match-up. Là, il va pas tarder à y avoir un vrai. Alors non, mais non, on a le létal. 4 et 4. 8 et 6. On a le létal de la part de Vasectomie. C'est fini. À la Kyr. GG. À la Kyr, GG. Et ouais. Et on a réussi à tenir. Un petit coup de reconvolulateur. Allez. Oh non. Et nous avons Vasectomie en finale. Il avait son à la Kyr depuis le début. Bravo à lui. Et donc Khalifa, deux fois qui perd avec l'un des packs les plus costauds du moment, même sur le ladder. Le druide combo. Et ouais. On va aller. Alors, ça sert à rien d'aller suivre l'autre demi-finale. Elle se termine à l'instant. Feanor a juste. Enfin, désolé si jamais Tim regarde le stream après. Mais voilà. Honnêtement, c'était vraiment. Il y a eu no match. Il y a eu no match dans l'autre demi-finale. Et donc, on va avoir une finale entre Vasectomie et Feanor. Pour moi, les deux joueurs qui ont quand même le plus impressionné sur ce tournoi, même si on n'avait pas suivi, avant Khalifa. On l'avait pas encore vu. C'est une courte pause, je pense.